Je ne sais pas si c'est le fait de m'être éclaté la tronche dans un anneau de planète ou d'avoir entendu ces demoiselles parler de minage hier soir, mais tout ça m'a donné envie d'aller casser du caillou. Histoire de voir. Histoire de voir ce qui a changé graphiquement, je dirais plus que dans la façon de miner en fait, qui restait la même. Les améliorations graphiques qu'apporte Odyssée au niveau des astéroïdes. Et le voilà, mon piton de minage. Je le trouve assez complet pour le minage. Il a un bon cargo et suffisamment de ports d'armement pour pouvoir y installer tous les outils de minage nécessaires à une bonne prospection. Alors, voyons où nous allons miner. C'est pas les anneaux qui manquent dans ce système. On va déjà commencer par ceux qui sont à côté. Ma foi. Là, on a des sites d'extraction tout près, juste à côté. On n'a pas besoin d'aller loin. On va quand même. Chargement FSD en cours. 4, 3, 2, 1, activation. Nous allons quand même analyser cet anneau. Histoire de voir ce qu'il peut nous offrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ah, bah, il est allé sur la planète. C'est l'anneau que je voulais. Bon. Voilà. Analyse de la surface terminée. Alors, voyons ce qu'il nous a trouvé. Grandidérite,
tritium, alexandrite, diamant basse température. Bon. Allons à celui-là. Déjà, il semblerait que ça ait changé au niveau de la présentation des zones. C'est pas... Ça semble moins vif. Ça, c'est un léger détail de couleur. À moins que la zone ne soit pas très... Hop. Rien ça. Oh. Forcément, on en a un qui va venir nous sentir le cul. On va les laisser tranquillement le faire et ensuite il s'en ira parce qu'on n'a rien du tout dans nos soutes. Il devrait plus venir nous embêter normalement. Bon. En attendant, pour le moment. Ça brille pas beaucoup. Très faiblement même. Hein. Oh là là. C'est pas un coin super. Je dirais que ça a changé quand même, hein. C'est plus les mêmes couleurs. C'est très faible ça. Oh, va-t-on trouver un caillou à casser? Soyez du changement au niveau des scanners, soit ah, celui-là peut-être. Ah oui, là il y a déjà un peu mieux là. Les couleurs ne sont plus du tout les mêmes, c'est plus pareil, hein. On dirait que ça scanne différemment maintenant. Peut-être qu'on a quelque chose là. Programmation du drone en cours. Ah bah oui. Prospecteur activé. Nous voilà donc face à un astéroïde. Analyse qui a de l'astéroïde terminée. De jolies crevasses que nous allons pouvoir remplir avec des charges sismiques. C'est pas magnifique ça. Lancement du décompte avant explosion.
Avec ce scanner qui ne réagit plus de la même façon, c'est tout l'art du minage qui est à revoir en fait. Et voilà, ça devrait être pas mal. Ah. Explosion dans 10 secondes. Alors voyons ça. Bon, j'ai pas l'impression que de ce côté-là il y a eu beaucoup de changements. Ça pète à peu près comme ça pétait. Bien, où sont les drones? Programmation du drone en cours. Programmation du drone en cours. Programmation du drone en cours. Récupérateur de cargaison déployé. Ça aussi, ça a changé un peu. Bon, on va essayer celui-là. Ouais. Bah, je l'ai pas celui-là. Yeah.
a fait le tour. On a fait le tour. Allez, on fait une petite tentative. Besoin de sortir un peu de ce brouillard. Mais il est clair que le scanner ne fonctionne plus comme il est, comme avant. Astéroïdes sont assez proches les uns des autres. Le Python n'étant pas un petit vaisseau quand même, mais il faut faire attention à la peinture. Celle-là n'a pas l'air très lumineuse. Alors, si on ajoute la vision de nuit, il est très difficile de les repérer. Et celui-là est un peu lumineux. Programmation du drone en cours. Drone prospecteur activé. Rien d'extraordinaire. Analyse de l'astéroïde terminée. Oxygène liquide, hydrate de méthane. Rien qui remplit les poches. Il est possible aussi que je n'ai pas choisi le bon endroit. Quand bien même ce système est fourni en anneaux, ces derniers ont peut-être été déjà dévorés par les autres joueurs. Allez savoir. Quoi qu'il en soit. Scanner ne brille pas beaucoup, il est pas du tout évident de repérer les astéroïdes. Vous voyez celui-là, eh ben on le voit à peine. Hein. Programmation du drone en cours. Alors imaginez si je mets en plus la vision de nuit, impossible de les repérer. Ouais. Analyse de l'astéroïde terminée. Oui, bon,
ça. Ah, les couleurs un peu plus, disons, variées. Pas très convaincant ce scanner. Beaucoup d'eau dans ce secteur, beaucoup d'eau, très peu de Ricard. Pourtant cru la voir briller celle-là. C'était pas celle-là. Sont vraiment bien discrètes, hein. Bien trop discrètes. Et voilà ça. Si je mets la vision de nuit, on les voit à peine plus. Changement de couleur. Aucune brillance, bon. Il n'y a rien dedans sûrement, mais...
Celle-là a l'air de bien plus débrouiller un peu plus. Un peu plus rouge, oui, rosé. Rien d'exceptionnel à l'intérieur. Analyse de l'astéroïde terminée. Ah, tiens, on va essayer. On va essayer le missile souterrain. Je me suis trompé de bouton. Bon, ça va pas être évident parce que forcément elle tourne la petite et je dirais qu'elle a beaucoup de voisines. Olé. Raté. Ouais, ça va pas être facile là. Oh bah oui, ça va pas être facile. Il y a beaucoup trop de monde autour. Voilà, elle est rentrée dedans. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir changé beaucoup. Ça, c'est resté à peu près pareil. Attention au bouclier. Bon, quoi qu'il en soit. La vitesse à laquelle elle tourne et le nombre de voisines qu'elle a. Pas être facile. Programmation du drone en cours. Récupérateur de cargaison déployé. Ça sert à rien de courir après, hein. Vaut mieux attendre qu'il repasse devant. Ah! J'étais un peu non là sur ce coup-là. Raté. Bon ben je crois qu'on va s'arrêter là pour le test de minage qui n'est à ma foi à mon goût pas concluant en tout cas pour le scanner. Bien plus difficile de repérer les astéroïdes compte tenu de sa brillance qui est loin d'être écarlate. Voilà, on va retourner. On va retourner tout simplement à la petite station à côté, vendre tout ça. Enfin, bien sûr, s'ils en veulent bien. C'est un système de mineurs, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème.
Eh ben c'est bon. Donc je disais. Je disais. New Command Depot. Petit pirate qui me coursait est arrivé avec un train de retard. Alors, voyons si on peut vendre ces petites choses. Marché, exploitation minière. Ah, le salaud. Vendre, ah voilà. Grand idérite, si. Bon. Ah bah, il vend pas sa chair, hein. Arnaque, mais comme j'ai pas envie d'aller m'embêter à les vendre ailleurs, hein. Voilà, c'est une vraie arnaque. 53 000 pour de la grandidérite, franchement, c'est du vol. Vous êtes un voleur, mon cher superviseur Palmer Allen, un truand, un escroc. $53 000 pour de la grandinérite. Ha! Ça va que c'est qu'une alpha, hein. Parce que franchement... Absence de gravité. Crampon magnétique activé. Je serais allé les vendre ailleurs, sinon. Ah, la sortie. Ah, elle est par là. Et fuel rats. Thank you.
Bon, alors, mon avis donc sur le minage, Bonjour, commandant. bonjour, les améliorations, je dirais de Mais aider les gens du coin. Mission de transport à caser. Les améliorations apportées dans Odyssée au niveau du minage, j'aurais plutôt tendance à penser que ce sont des détériorations. Hein. Alors j'espère que ça va s'améliorer. Vous voulez gagner des crédits? Il faudra peut-être contourner la loi ici ou là. Qui vont changer ça, voir qui vont revenir comme c'était avant, parce que là, pour le moment, bon, c'est l'alpha. Hein. Mais quand même. The galaxy can be a dangerous place. When you dive into the black, you want to know your ship can handle the worst the galaxy has to offer. Allez. You want power. À plus. Precision.